Poutine, l'autre il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, pom-pom girl, avec un voile. Mais je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Mahmoud? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole et où il y a un truc à récupérer. Quoi. Et donc, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Mahmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Mahmoud, parce que là... Voilà, j'ai senti que non, c'était pas... Et que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ses chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 euros les 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison, là, je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein? Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, ses chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes qu'un jour. Non, non, là, ça n'a rien à voir. Mais il est pas...